troisième journée technique Fédérec sur le Bourget a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de mettre en relation des fournisseurs, mais de matériel, mais aussi de services, avec le top management, à la fois des groupes, mais aussi des PME. C'est-à-dire que les fournisseurs, en général, rencontrent les directions achats ou rencontrent les services maintenance, mais ont peu l'occasion de présenter leurs produits au top management. Donc c'est vraiment un niveau de relationnel qui est complètement différent d'un salon classique, où on n'a pas simplement la direction achat qui vient, mais on a aussi le top management. On avait une bonne fréquentation, on avait un nombre de participants aussi en exposant important. On avait un format speed dating qui était intéressant, mais on ne le faisait que l'après-midi et voilà, c'était assez court. Et donc on a mis des speed dating sur l'ensemble de la journée. Et la deuxième innovation cette année, mais ça c'est assez unique, c'est qu'on accueille également EURIC, la Fédération Européenne du Recyclage, dans le cadre de sa conférence annuelle. Et donc cet après-midi auront lieu des conférences en anglais sur le marché européen du recyclage. C'est très large, c'est tout ce qui touche en fait à la vie d'une entreprise et d'une entreprise de recyclage plus particulièrement. Bien sûr, majoritairement les adhérents fédéraux qui sont présents, mais on a aussi des représentants des fédérations européennes dans le cadre de RIC. On a des collectivités qui viennent voir ce qui se passe sur le matériel, parce que les collectivités sont nos clientes, et donc on les convie également à bien voir ce qui se passe en termes de matériel et sur un événement comme Fédéric. C'est une journée de convivialité, d'échange, formel ou informel. C'est un rendez-vous de la profession qui est un peu un incontournable. C'est une grande famille qui se réunit dans cette journée technique.